Allez, on va attendre un petit peu. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va attendre une ou deux minutes et après on commence. J'espère que vous avez la forme. Moi ça va. Voilà, j'en profite pour bien bosser en ce moment. Pas mal de circuits, travail cardio, musculation, qigong, enfin énergétique. Travail de VT bien évidemment, beaucoup d'efforts, mes déplacements, mannequin bois quand je vais à l'académie, le sac de frappe. Donc, voilà, permet de bien travailler en ce moment. Allez, on attend encore un tout petit peu, puis on va connecter. Alors, attends, qu'est-ce qui arrive? Hop. Tac. Allez. Bon, non. Logiquement, ceux qui viennent le mercredi soir à l'académie devraient être ici avec nous en direct. Normalement. Coucou Yo-Yo, j'espère que ça va. Salut Coco, j'espère que ça va. Ah, salut Nicole, ben ok, super, tu vas pouvoir, on va pouvoir faire une live ensemble. C'est cool. Oui, donc comme je disais, donc j'attends un tout petit peu et après comme ça on va démarrer. Voilà. Mais normalement, voilà, tous ceux qui sont présents le mercredi soir à l'académie, c'est l'heure du cours de l'académie normalement. Normalement, tout le monde devrait être présent ce soir. Mais bon, je pense qu'il y en a pas mal qui vont se faufiler. Bon, après, comme d'habitude, ces lives sont toujours retransmis après sur YouTube. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais, tout va bien. Ok, yo, merci. Voilà. Donc, ce programme, okay. Normalement, ça devrait le faire. On va commencer par un petit échauffement. Après, on va faire un petit peu la forme. Après 2-3 exercices, exercices de base, après on va travailler sur des exercices de pattes d'ours dans le vide, et après un circuit de cardio-musculation spécifique, et on finira avec les étirements. Voilà, en gros une bonne petite heure, je pense, hein. Ok, d'exercices. Hein. Donc bon, on va pas attendre des retardataires par contre, on va s'y mettre pour pas perdre de temps. Hein. Bon, mais les gens après viendront. En suivant, salut Cyril, j'espère que tu vas bien. voilà, donc allez, on attend encore 30 secondes et après on s'y met. Bon, d'habitude, j'écris pas mes programmes, mais comme je suis un peu fatigué ce soir, j'ai écrit mon programme. j'ai fait pas mal de circuits, quelques courbatures d'hier, parce que hier, j'ai enchaîné des circuits de cardio. Coucou Soro, j'espère que tu vas bien. Il faut écouter le grand gros qui est conçu. Oui, oui, yo-yo, c'est ça. hier, j'ai enseigné hier matin, j'ai fait toutes les formes, travail cardio spécifique, des programmes en pliométrie, et super intéressant. Et puis hier après-midi, après, j'ai fait un gros circuit de musculation. Donc, un petit peu tendu, mais ça va. On va faire des tirements ensemble, comme ça va permettre de se mettre en mouvement. voilà. Donc, bon, je vous tiendrai au courant par rapport à l'académie. J'ai recommencé, donc pour ceux qui souhaitent aller plus loin que les lives, bon, c'est pour ceux qui habitent dans le coin, surtout les entraînements en cours privé à l'académie donc sont de nouveau possibles, maintenant uniquement en cours privé, avec masque ou visière comme vous voulez, et avant de commencer le cours, et on peut travailler que simplement en contact, que les drills, travail de drill ou shisao, pas de latsao, pas de combat pour l'instant, voilà. Mais par contre shisao ou drill c'est possible, il n'y a pas de souci. Et toujours pareil, les cours privés en live, en webcam, sont toujours bien évidemment possibles, toujours, que ce soit à l'académie ou que ce soit en live, en webcam, toujours au tarif de 15 €, là je fais bénéficier tout le monde de ce tarif très bas actuellement, voilà, pour ceux qui le souhaitent, donc pour aller plus loin que ces lives. Bon, mais je crois qu'on va pouvoir s'y mettre, les amis, ok, allez, bon, j'ai pris ma petite note, hein. Voilà. Moi, je me fais vieux, c'est pour ça, il faut que je note. Non, je rigole, ça devrait aller. Ok, donc allez, on va se commencer un petit travail comme d'habitude, c'est une combinaison travail énergétique. Salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Allez, vite, vite, mets-toi ton survêt et on y va. Ok, donc on va faire quelques exercices de base et après, comme ça, on va s'y mettre. Donc là, c'est juste un exercice pour travailler, pour harmoniser le souffle. Okay, d'accord, donc là, c'est implicite, donc vous inspirez. Et on expire, on inspire, en montant, on expire, en descendant, on inspire, et on expire. Un dernier. Ok, là, ici on inspire, cherchez, on redescend, ici sur le côté, on expire. Attends, je sors un peu du cadre, on inspire, et on expire.
On inspire. On expire. Un dernier. Ok, là ici on inspire, on pousse une main vers le haut, une main vers le bas en inspirant. On expire en descendant comme ceci et on inspire en remontant. On expire, croisez ici et inspirez. On expire et on inspire. On expire, on inspire. Ouais, j'ai le dos qui craque. Hein. On inspire. On expire. Et on inspire. Et on relâche. Et on harmonise ici. On inspire. Ok, là ici on vient croiser ici. L'idée en fait c'est de descendre sur votre centre de gravité comme si. Alors je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai fermé le. Merci Yo-Yo, bon entraînement, la bise à toi aussi. Ok, donc je vais ouvrir peut-être un peu. Voilà. En fait, j'ai réquisitionné la chambre de ma fille pour pas déranger tout le monde dans la salle à manger. Mais donc, si vous n'avez pas assez de lumière, vous me dites, et comme ça j'aurai un peu plus grand le rideau pour avoir un peu plus de lumière peut-être. Hein. Salut Patrick, j'espère que tu vas bien. Allez, donc là on inspire aussi. Donc là, c'est important de descendre comme un squat, en fait, ici l'idée. D'accord, c'est ici, vous descendez et vous inspirez en montant et expirant en cherchant loin derrière. On inspire et on expire, on inspire et on expire, on inspire, expire, inspire, 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 inspire. Un dernier. Ok, relax. Après celui-là, ici, vous allez chercher loin devant. L'idée, en fait, vous jetez vos bras vers l'avant. Inspire, fléchis sur les jambes. Et viens chercher ici, derrière ici. Après, pousse ici vers l'arrière. Et après, reviens chercher loin devant. On inspire. Donc, on vient chercher, on inspire. On descend et pousse vers l'arrière. Fais expire. Viens chercher loin. Descend. Loin. Ouais. Dernier. Ok. Là, après, vous revenez devant vous. Là, vous croisez les mains. Donc, on colle les deux pieds ici, on inspire. Et à l'expire, en fait, vous venez chercher sur le côté ici. On tire ici la pomme et c'est vers le haut. Donc, j'essaie de sortir du cadre ici. Un bras ici, sur le champ, ici, vers l'arrière et l'autre, vers le côté. Donc il faut important c'est de descendre en descendant. Descendre en descendant, ça n'était pas mal. Descendre en expirant, ok? Après on remonte, on inspire et on fait l'autre côté. Voilà, je sors du cadre. Inspire. Et expire. On va chercher loin sur le côté. Inspire. Et loin. Donc on tire bien les deux bras. Un vers l'arrière, un vers le côté. On inspire. Et tire. Inspire et tire. Inspire, tire. Inspire et tire. Dernier. Et. Ok. Là, après ici, on vient chercher après en position iras, loin devant, colle ici les mains et inspire. Et vient chercher loin derrière. Inspire. Inspire. Dernier. Ok, vous croisez ici vos deux mains comme double tansao. Donc ici, on inspire, monte, vous faites sur le côté, les hanches partent d'un côté et redescendent ici. Vous repassez au centre, presse ici dans l'autre côté, monte au maximum et redescend. Expire. Et on tourne là.
Alors, bien, on centre, et après de l'autre côté. On ouvre. Un dernier. Allez, on relâche. Donc, on inspire. Ok, celui-là, après ici, vous êtes là, alors je fais attention derrière moi, pas casser le placard. Ok, donc là, si vous croisez vos deux mains, vous inspirez, vous avez un équilibre sur une jambe, on inspire. Jambes tendues, les deux jambes tendues. On inspire, on expire. Et on revient ici en équilibre sur une jambe. Okay, voilà, jambe gauche ici devant ici. Et vous poussez ici loin devant. Vous pouvez tenir ici juste la cuisse ici. Et après on crochète ici le genou. Et on ouvre toujours en équilibre. On essaie de garder la colonne vertébrale droite. Et un dernier ici en bas, croisé ici comme un coup de pied, ici en bas croisé, juste pour l'équilibre. Vous essayez de tourner les épaules vers l'avant et la hanche vers là-bas. Hein. Et on ramène et on change de jambe. Alors on tend bien ici les deux jambes. C'est bon calme aujourd'hui. Après, vous amenez loin, ici devant. Allez, vas-y, Chloé, passe. Allez, c'est sa chambre, alors forcément. J'ai réquisitionné. On tend bien ici la jambe. Je fais du sport. Je vais faire les cheveux. Ah, tu fais du sport, ok, super. Bonjour. Bon, mais Chloé vous a dit bonjour. Voilà, on étire ici. C'est pour l'équilibre, surtout. Et on croise après en bas, ici, on essaie de ramener les épaules de face et on reste bien ici. Ça va bien faire chauffer les jambes aussi. Hein. Et on relâche. Normalement, ici, normalement, ça fait chauffer les jambes. Ok, position là, après ici, pose ici les deux mains. Est-ce que vous y voyez? Oui, ce que vous connaissez, c'est chien tête en bas en yoga. Allez, on pousse ici, on essaie de coller les mains et les pieds au sol, jambes et bras tendus, mains et pieds à plat. Bon, ça fait beaucoup d'informations en même temps. Allez, encore un peu. Et là, on se penche au maximum vers l'avant. Donc les jambes... Ah, attends, on n'y voit rien. Là. Jambes et bras tendus. Au maximum, vous essayez de vous... En position de pompe, et le but, c'est d'aller en fait... Poussez les bras au maximum vers l'avant, tout en restant en extension, qu'on contrôle en fait votre corps. Voilà, ici, poussez au maximum vers l'avant, jambes et bras tendus, en position de... et on gagne tout le corps. Allez, on reste. On reste. On reste bien. Et voilà. Ok. Allez, on relève. Petit échauffement, voilà, tranquillement, ok. Là, on continue, donc on part directement sur la fourme. On va faire ici, pour ce soir, Chunky Woo un petit peu, ok. D'accord, ceux qui ne la connaissent pas, on ne va pas la faire trop vite. Donc du coup, même ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez essayer de la faire, hein, ok. Allez, on y va, ok. Donc on se met en position, on ramène là, ok. Alors j'essaie de le faire comme ça. Alors attends, je vais ouvrir parce que le soleil, il y a moins de soleil. Donc du coup, ça ne sera pas plus mal, ok. Voilà, ok. Ok, je la fais à peu près comme ça, ça devrait être bon. Okay. Donc là, n'oubliez pas, crochetez ici, ok. Crochette et on renvoie. Okay. Presse et ramène, ok. Tire, presse. One, tap, ok. Vous, chancel, when got, tire, you fuck, lap, chan, tire, you fuck, et on revient. Esquive, presse, tire et attaque. Gauche dessus, projection,
Connexion, je vais me mettre plutôt comme ça. Presse. Chansao. 2, 3. Pack. Coup de pomme. 2, 3. Lanza. Yufa. Coin de vous. Ceux qui la connaissent, vous remarquerez, il y a quelques petits détails qu'on a changé. Tam. Fak. Sweep. Sort. Tire. Chansao. Coin de vous. Presse. Fak. Tire. Yufa. Et on revient. Esquive. Tire. 3 dessus. Projection. Projection. Ouvre. Chan. Pack. Lanza. Yufak. Quan vous. Yufak. Bon vous. Tan. Koifak. Sweep. Tire. Chanza. Quan vous. Presse. Yufak. Et on ramène. Alors là, je fais attention par rapport au lit, pas tout casser. Alors attends, je me décale un peu, comme là. Presse, kick, kick de face, bonk, coin, vous. On ouvre, frappe, choc, hypercute, et on ramène. Comme là, kick, kick, bonk, coin, vous. Frappe, choc, hypercute, et on ramène. Chanzo, esquive, presse, kick, et on déplace. Rapso, et on ramène. Chanzo, casse, esquive, presse, kick, déplace, et là, faites attention, je fais attention pour la place. Ok, je descends, kick, déplace, kick, déplace, kick, gam, taiso. Gam, taïsao, gam, vous coup de poing. Gam, vous coup de poing. En dessous. Hacking punch, 2, 3. Ok, ce qui est important toujours, hein, pareil, c'est toujours la forme de corps, hein, qui est importante. Hein, toujours le travail sur le corps, c'est ça qui est important. Hein. Ok, et après, allez, un petit peu cycle après pour les. Attends, je vais faire juste un truc. Ok, ça c'est ok. C'est que pour les coups de pied un petit peu. J'avais dit. Ouais, ça c'est okay. Ok. Alors, là. Donc pensez, rappelez-vous, pour ceux qui le connaissent normalement. Kick ici de en bas en partie. Kick ici, après arrière et avant. 5 kicks et coup de pied sur le côté. 45 degrés avec la pointe. Crochet. Crochet intérieur. Coup de pied arrière. Coup de pied sur le côté et en même temps on esquive. Kick, stop kick et repartir à l'arrière. Esquive, éventail, kick et pause. Sweep, change, déplace à gauche ici. Je recule juste un peu. Hop, ça sera mieux. Voilà, là c'est mieux. Okay. Juste hop, orienter un peu. Ok, nickel. Ok, donc on fait à gauche après. Ok, donc, kick ici de face, arrière et avant. Côté et après, côté ici, comme Chunju. Avec la pointe, crochet, crochet intérieur, derrière, côté et esquive. Side, stop kick, repose derrière, éventail, kick, pause. Sweep, kick, déplace, stop kick ici à droite. On refait une fois. Kick et pause. Arrière, avant. Côté et côté ici. 45 degrés. Crochet. Crochet. Arrière. Esquive. Kick. Stop kick. Pause derrière. Ouvre. Éventail. Kick. Pause. Sweep. Change. Déplace à gauche. Et on refait à gauche. Kick. Pause. Kick. Kick. Côté. Côté. 45, crochet, crochet, arrière, côté, et on esquive. Stop, kick, éventail, kick, pause, sweep, kick, et déplace. Ok, ça vous connaissez la majorité. Ok, alors, oui, là maintenant on va faire quelques exercices
Faut que vous visualisez les pattes d'ours, hein. D'accord? Normalement, pattes d'ours, ici, le principe c'est 1, 2, crochet, hypercute, et après je rentre comme si je voulais plaquer. Hein. Droite, gauche, crochet, hypercute, et je viens plaquer ici. Hein. Donc, pour la défense, ce qu'on fait, on peut faire comme ça, ok? Donc, droite, on peut frapper comme ceci, mais c'est correct aussi comme ça. C'est juste le positionnement des mains, ok? Quand on est là, ici, la position est un peu plus bas, tu vois, droite et gauche, ici. Ou après, quand c'est direct plus ouvert, on protège et après en même temps, ici la tête, gauche. Et après, crochet, hypercute, et on esquive. Et genou, ok? Ou droite, gauche, crochet, hypercute, esquive, et genou. Donc pour l'esquive, ici, ce qui est important, voilà, c'est ce petit travail de balancier, ok? D'accord? Esquive, on remplace, un pied remplace l'autre, et le poids du corps, après la pression vient sur l'avant, garde ça haut, fax après, d'accord, en bas, okay, après pour saisir les genoux, hein, d'accord, donc droite-gauche, crochet hypercute, esquive et coup de genou, hein, d'accord, on fait encore une fois, droite-gauche, crochet protège la tête, hypercute, quand vous faites hypercute, montez, l'inverse, on descend, ok, donc, droite-gauche, crochet, hypercute, et de là, imagine, tu esquives. Et ici, protège, grippe, tire la nuque, genou ici. Hein. Et on repart. Droite, gauche, crochet, hypercute, esquive et genou. Hein. Droite, gauche, crochet, hypercute, esquive et genou. Et après, pareil, on change de jambe. Gauche, droite, crochet, hypercute, esquive et genou. Et change de jambe. Droite, gauche, crochet, hypercute. Esquive, genou, et change de jambe. Gauche, droite, crochet, hypercute, esquive, genou. Et on change. Droite, gauche, hypercute, esquive, et genou. Gauche, droite, crochet, hypercute, esquive, genou. Droite, gauche, crochet, hypercute, esquive, genou. Gauche, droite, crochet, hypercute, esquive, genou. Droite, gauche, crochet, hypercute, esquive, genou. Gauche, droite, crochet, hypercute, esquive, genou. Droite, gauche, crochet, hypercute, genou encore. Gauche, droite, crochet, hypercute, esquive, genou. Allez, 1, 2, 4, plus vite. À gauche, à droite. Esquive, genou. Esquive. Ok, souffle. Pas trop parce que là c'est quelques exercices de pattes d'ours, mais en fait le programme intensif c'est après. Ok, donc il faut quand même garder un peu de réserve. Ok, deuxième. Oh. Salut Greg, j'espère que tu vas bien depuis ce temps. Ok. Là c'est le même, celui-là est simple. Okay. Pareil, hein. Soit un jab, soit un coup de poing plus bas. Okay. C'est au choix, vous faites l'un ou l'autre. Par contre, pensez toujours à la protection, ok? Si on frappe là, c'est juste ici, couverture ici, pour frapper. Il y a aussi les possibilités de frapper en bas, de protéger en bas, mais là, pour celle-là, c'est 1, 2, et après, crochet, hypercute, et ici, directement. Donc, droite, gauche, crochet, hypercute, et vous enchaînez de suite. Ce qui est important, quand vous faites crochet, hypercute, quand on finit, de là, c'est pareil si on pourrait mettre coup de pomme, là, tu fais hypercute et punch. D'accord, c'est pas hypercute, enlève et punch après. C'est hypercute et punch directement là. Hein, d'accord. Donc là, c'est. Pensez les coups de poing, pas comme ça, ok. Toujours avec la structure. Là, c'est, la pression, c'est toujours avec le dantien. Développer la puissance dans chaque coup. Hein. Ok, donc on essaye, ok. Droite, gauche, crochet, hypercute et coup de poing enchaîné. Okay. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et coup de poing. Ok. Crochet, hypercute et enchaîne. Ou à droite, droite, gauche, hypercute et enchaîne. Ou à gauche, gauche, droite, crochet, hypercute et on enchaîne. Droite, gauche, crochet, hypercute et ici de l'autre côté. Gauche, droite, crochet, hypercute et de l'autre côté. Droite, gauche, crochet, hypercute et gauche, droite, crochet, hypercute. Droite, gauche, crochet, hypercute.
gauche, droite, crochet, uppercut, droite, gauche, uppercut, gauche, droite, crochet, percute et coup de poing enchaîné, droite, gauche, crochet, uppercut, chaque fois vous changez les jambes, hein. Gauche, droite, crochet, uppercut, comme ça on fait à droite et une fois à gauche, hein. Change, crochet, uppercut, et crochet, uppercut, et gauche, droite, crochet, uppercut, et droite, gauche, gauche, droite, crochet, uppercut. Ok, relax, hein, pour la deuxième. Okay. Ok, ensuite, coucou Katia. Ok, ensuite là, ah oui, celui-là. Okay. La même base, toujours la même base, gauche, droite ou droite, gauche, crochet, uppercut. Et après, le but, c'est exercice après différent, après derrière. Okay. D'accord. Donc là, c'est gauche, droite, crochet, uppercut, stop kick, puis après éventail et front kick. Hein. Je vais montrer ça, hein. Quel est ça plus parlant. Droite, gauche, crochet, uppercut. Stop kick, éventail, kick. Gauche, droite, crochet, uppercut. Stop kick, éventail, kick. D'accord. Donc, stop kick ensuite ici, la jambe de derrière. Stop, elle repart derrière, après la jambe de devant, éventail, et kick après. D'accord. Stop kick, jambe de devant, éventail, et après kick de face. Donc, kick en poussant ici avec la hanche. Okay. Donc droite, gauche, crochet, uppercut. Stop kick, éventail, front kick. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Stop kick, éventail, front kick. Et après, 1, 2, 3, 4. Stop kick, éventail, front kick. 1, 2, 3, 4. Stop kick, éventail, front kick. 1, 2, 3, 4, stop kick, éventail, front kick, je me suis trompé de jambe. Droite, gauche, crochet, uppercut, stop kick, éventail, front kick. 1, 2, 3, 4, stop kick, éventail, front kick. 1, 2, 3, 4, stop kick, éventail, front kick. 1, 2, 3, 4, stop kick, éventail, front kick. Encore un. 2, 3, 4, stop kick, éventail, front kick. Ok. Petit enchaînement simple, normalement ça n'avait pas d'ours, hein, les partenaires. Mais on travaille un petit peu dans le vide. Ok. Alors, bon, buvez un coup. Et on continue. Attends, je ne sais pas ce que je cherche à faire, mais. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave. Hein. Ok. Allez, je bois le coup et on continue. Alors. Comment j'ai mis ça? Ok, c'est possible. Comme ça. Bon, c'est un petit circuit cardio et renforcement musculaire. Alors attends, je révise ce que j'avais préparé. Donc coup de poing. Front avant sauté, ok. Ah oui, ouf. Allez, j'étais optimiste ce soir. Ok, bon, ben non, ben, je l'ai marqué, maintenant il faut le faire. Ok, donc le premier, c'est suivant votre niveau. Hein, ok, suivant votre niveau. Le premier, c'est squat, saute, kick, kick, et on repart. Ou simplement, si c'est trop dur, juste squat et kick. Et pourquoi il est tourné? Ah, attends. Ok, suivant votre niveau. Hein, ok, d'accord, donc je vois. Squat, saute, et descend et kick, ou soit juste squat et kick. 40 secondes, d'accord. C'est moi qui vais. Je vais essayer de compter dans ma tête, ça va être dur. Hein. Bon, je vais te compter jusqu'à 40, ça va. Ensuite, on enchaîne directement, ok. Sans temps de pause, avec pompe pendant 40 secondes, ok. D'accord, on travaille les pompes pendant 40 secondes ensuite. Ensuite, troisième exercice, 40 secondes de coup de poing, pas comme ça, ok. D'accord. Travailler avec les hanches. 40 secondes. Épaules basses, coude en bas. Okay. Ensuite, 40 secondes. Celui-là. Okay. Fléchons ici. Une fois que vous êtes en bas, vous ne remontez pas. Hein. Vous restez en bas. C'est juste front avant. 2, 3, 4, 5. Et après, c'est coup de genou. 2, 3, 4, 5. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5. Coup de genou. 5. Et on repart. Pendant 40 secondes. Okay. Dernier exercice,
gainage sur les coudes. Facile. Ok. Bien évidemment, vous faites toujours en fonction de votre niveau. Ok. Je vais changer l'angle pour que je puisse travailler en toute sécurité. Alors attends, ne bougez pas. Vous n'avez pas bougé. Aïe aïe aïe. Hop. Là, ça devrait être bon. Voilà. C'est mieux. Alors, vous avez vu? Ça, c'est des beaux stickers de la chambre à Chloé. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ma fille. Ok, donc là, allez, on y va. Okay. Donc, on a dit squat sauté avec deux coups de pied de face, pompe ensuite, coup de poing enchaîné ensuite, fente avant en sautant sans remonter, okay, avec 5 coups de genou et dernier gainage. Okay. Ok, ça vous va pour vous? Allez, on part dans 5 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et on y va. Allez, 1, descend, kick, kick, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40. Ok. De suite avec les pompes. 40 secondes. Si c'est trop dur, vous le faites sur les genoux. Hein. Ok. Allez, go. Ok, on enchaîne. Allez, coup de poing enchaîné. Toujours pareil, hein, en fonction de votre niveau. Hein. Allez, go. Travaillez bien. Pression. Gainez bien. Punch en chaque fois. Ok, relax. Non, pardon. On enchaîne, ok. Fente avant, sautez avec 5 coups de genoux. Descendez bien. Allez, on y va. Et genoux. Oh, j'ai fait la même jambe. Ok, gainage. Après, allez, gainage. Allez, go. Si c'est trop dur, vous pouvez poser les genoux. Hein. Bon, ça va, petit circuit. Pas trop dur. Ok, relax. Ouh, j'en profite, j'ai le lit pour m'asseoir. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce circuit? Pas trop dur, ça va. La bonne nouvelle, c'est qu'on recommence. Un petit peu de pause d'abord, et après on recommence. Donc pensez les jumps sauter au début. Vous pouvez simplement faire la descente. Si c'est trop dur pour vous, vous faites que descendre, vous ne faites pas le saut. Pareil pour les fentes avant, vous pouvez juste changer les jambes plutôt que de sauter. Changer jambes, c'est plus simple, okay, d'accord, enfin, c'est moins dur, on va dire. Okay. Les pompes, vous pouvez les faire sur les genoux. L'important, c'est toujours adapter forcément en fonction de votre niveau.
Et surtout, l'important, c'est la qualité du mouvement, quelle qualité technique. Hein. Ne jamais sacrifier la qualité à la quantité. Okay. D'accord? Ça ne sert à rien. Okay. Mieux vaut en faire moins, mais bien. Par contre, essayez de vous pousser un peu. Hein. Bon, ça dépend. J'espère que pendant le confinement, vous n'êtes pas trop laissé aller. Bon, ben, bon, je sais bien que c'est pas facile. Ok, donc là, vous êtes motivé pour un deuxième tour? Ouais. Ah, aïe, aïe, aïe. Bon, moi, oui. Hein. En même temps, j'ai pas le choix. Hein. Ok, donc allez, on va se mettre en place pour le deuxième tour. Hein. Quand vous faites des jambes sautées, là, je ne vous le montre pas, je me préviens. Essayez de toucher vos mains. D'accord? Quand vous... Ah. Bon, si vous êtes à la maison et qu'il y a votre famille avec vous, c'est pas évident parce qu'il ne faut pas faire de bruit. Ok? Attends. T'as pas pris un gramme, Coco? Super. Okay. Moi, j'ai pris 3 kilos, mais pas 3 kilos de gras. J'ai fait tellement de travail et renforcement que j'ai pris 2 ou 3 kilos de masse musculaire. Donc, bon, c'est pas mal. Il fallait que je m'enrhume un peu. Donc, c'est bien tombé. Allez, c'est parti. Allez, prêt? Il y a toujours celui qui nous pousse, comme à l'académie. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? On commence 3 secondes. 3, 2, 1, et go. Allez, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, allez, dernier, 40, allez, allez, on enchaîne avec les pompes, allez, 3, Ok, coup de poing enchaîné. On descend bien. Allez. Pendant le poing relâché et puissant. Alors, quand on enchaîne, on se met les fentes avant. Donc, si c'est trop dur, vous faites juste en changeant. C'est long, vous sautez. Hein? D'accord? Mais sans remonter. Allez, go! Allez, genoux. Ok, gainage. Allez, loin devant les bras si vous pouvez. Bon, les voisins du dessous, Guillaume, oui. Je me doute. Bon, ça va ce petit deuxième tour? Vous voulez la bonne ou la mauvaise nouvelle? La bonne,
C'est que je suis sûr que vous avez tous un sourire. Mais mon rêve, c'est qu'on refait un troisième tour. Ok? Alors, ceux qui fatiguent un peu, vous le faites à votre rythme. Hein. On essaye de pousser au maximum, ok? D'accord, si vous êtes en forme, ok? Ceux qui ont fait moins d'activités pendant ce confinement, allez-y tranquille. Hein. C'est pas le but que vous fassiez un infarctus maintenant. Okay. Puis dans l'air du temps, on va dire que vous avez attrapé le virus. Ok, bon, je rigole. Allez, c'est reparti. Trêve de plaisanterie. Vous avez récupéré un peu, buvez un coup, léger. Oui, mademoiselle Chloé, c'est ma fille qui veut rentrer dans sa chambre. Vous l'autorisez, c'est bon? Allez, vas-y, passe. Continue. Et non, je peux pas parce que là, c'est hyper. Tu sors, ça va vite, vite, vite. J'en ai pour 3 minutes. 3 minutes? Là, j'ai rentré le cercle. Allez, 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 Chloé. Ah, oui, c'est pas faux, Guillaume. Allez, c'est reparti. Vous êtes prêts? Allez, 3 secondes. Allez, 3, 2, 1, et on y va. Allez. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Allez, pompe! Allez, 40 secondes, parti, go! Ok, coup de poing enchaîné. Allez, gainez bien. Ok, fente avant. Même principe que tout à l'heure. Hein. Allez, prêt, go! Ok, gainage. Allez, go. Ok. Bon, ça va chez vous? Ah, Siri, c'était que l'échauffement. Alors, j'avais prévu un petit bonus après exprès. Ok, donc on va se le faire juste après. Une fois que les touristes seront partis. Ok. Bon, j'ai les noms, hein. De ceux qui devraient être en cours, mercredi soir normalement. Alors, ok, allez, on va se faire un petit bonus. Vous avez la pêche. Ok, et après, on passe
quelques exercices de déplacement, hein, d'accord? Et on finira après avec quelques étirements, hein, d'accord? Allez, j'arrête de dire d'accord, hein, si vous voulez croire que j'ai un bug. Hein. Je remets en haut. Alors, vous connaissez ces exercices-là, ok? Le principe, trois coups de pied sur une jambe, okay. Vous faites le coup de pied que vous voulez, éventail, stop kick, front kick, side kick, comme vous voulez, le but c'est de ne pas poser la jambe, et après vous faites un saut et vous changez de l'autre côté, trois coups de pied chaque fois sur une seule jambe, okay. D'accord? Ensuite on enchaîne avec 10 pompes diamants, vous savez ce que c'est les pompes diamants? Au niveau du plexus solaire, les mains jointes, comme ceci ou comme ceci, et vous descendez les coudes serrés. 10 répétitions, ou sinon... pour ceux qui ont du mal, vous pouvez poser les genoux à terre. Okay? Ça, c'est possible ici. Et après, dernier exercice après. C'était celui-là, oui. En équilibre sur les fesses et on ramène les jambes et le haut du corps pour faire les abdos ici. Et après, le quatrième, après. Non, ça va. Ok. Ok, vous êtes prêts? En équilibre sur une jambe, trois coups de pied et vous sautez pour changer de jambe. Les coups de pied que vous voulez, fléchissez bien votre jambe. Le but, c'est de travailler les cuisses. Allez, vous êtes prêts? Je vous dis ça, attends, je me rappelle même puisque je pompe au diamant. Ça, oui, et abdos, oui, c'est ça. Ok, c'est parti! Allez, 3, 2, 1, go! Diamant. Vous êtes prêts? Allez, on y va doucement. 3 secondes. 1, 2, 3 et on remonte. Explosif. 1, 2, 3 et 2, 3, 4ème. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En équilibre. Allez, on ramène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on reste en équilibre, on gagne. Allez, fort, gagne. Allez, résiste. On résiste. Allez. Allez, on y va. Allez, résiste, mais ça va bien brûler les abdos. Hein. Sinon, si vous faites mal le mouvement. Ah, salut Stéphane. Coucou Lilou, j'espère que tu vas bien. Bon alors, comment vous allez? Pas trop mal le petit circuit? Je bois un coup. Hein. Hop, je le remets là. J'espère que ça a été, que ce petit circuit vous a plu. Bon, j'en ai plein, hein. J'ai plein de circuits comme ça. Bon, là, on découvre comme ça en visio, juste de groupe, c'est différent. Là. Après, on peut cibler après individuellement si vous êtes intéressé. Après, comme je vous ai dit, même les cours individuels peuvent se porter aussi sur du renforcement. Il y a pas mal de travail, renforcement musculaire, cardio, travail énergétique, ciblé en fonction de votre propre personnalité. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour ça.
Ensuite, je sais pas ce que vous pensez. Peut-être que je risque de faire un pack vidéo, je ne sais pas encore, d'environ 5 heures, okay, avec 5 séances en fait, différents niveaux dans les séances. C'est un pack d'entraînement que je souhaiterais proposer en vente en ligne, okay, à un tarif très, très, très abordable, bien évidemment, et que chacun en fait, puisse avoir un package en fait, d'entraînement personnel. Donc ça inclurait le travail sur des formes, des placements, travail de renforcement musculaire, renforcement, travail énergétique, renforcement sur les articulations, voilà. Un package qui vous permettrait de faire un travail pour vous tout seul. Okay. Voilà, donc ça c'est un petit projet que j'ai en tête, je pense que je vais m'y mettre très prochainement. D'ailleurs à ce niveau-là, si vous avez des suggestions, parce que vous savez très bien que moi, bon l'informatique je m'y connais un peu mais pas trop, est-ce que vous connaîtriez des plateformes de vente en ligne où on peut, en fait, si je fais mes vidéos, après que je puisse les poser sur une plateforme et avec un lien pour les acheter directement. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, avec quoi, je regarde un peu, mais il y a de tout et n'importe quoi. Donc si vous connaissez un petit peu dans ce domaine-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message soit texto, messenger, ou vous m'appelez, vous voulez, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, comme ça pourra un peu m'aiguiller sur quelle plateforme utiliser pour proposer ce genre de formation en ligne. Okay. Ça c'est proposé pour le VTE, mais aussi pour le grand public. Hein. C'est pas réservé au Wing Chun Evolution. Hein. Voilà, tout le monde pourrait y avoir accès parce que ça part des programmes très compliqués. Mais c'est simplement pour vous aider à pouvoir vous entraîner tout seul. Hein. Voilà, pas mal d'idées de travail. Hein. Ok, bon, on en reparle. Donc si vous avez des idées de plateforme, n'hésitez pas à me faire des suggestions par Messenger. Hein. Okay. Allez, on essaie de travailler un petit peu vos déplacements. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Okay, bon, je vous montre quelques déplacements avec quelques types, quelques. Bon, j'ai changé l'entour du téléphone. Avec quelques. Je vais y arriver. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en plus, je ne peux pas couper au montage. Bon, c'est pas grave. Hein, okay. Bon, on va dire que c'est la vieillesse. Ok, bon, allez, okay, je vous montre ici quelques séries de déplacements. Ça, c'est un premier ici. N'oublie pas déplacement triangulaire avant-arrière. Okay. D'accord? Donc là. Avant, bon, il y a plusieurs notions sur je ne vais pas détailler, hein, pour les hanches. Okay. Un travail sur le sol, okay, comment générer la puissance avec vos appuis au sol, comment utiliser les hanches. Mais là, on fait juste des déplacements simples. Okay. J'axe pas sur la technique à proprement parler. Donc, ce n'est pas grave okay, pour ce soir. Okay. Donc, déplacement avant avec coup de poing enchaîné. Finissez avec jambe droite, poing droit, coup de coude, faxao, et en reculant, coup de poing, en revenant en iras. Déplacez le poids du corps sur votre jambe droite, bougez vers l'arrière, kick en bas, kick en haut, bougez et balaye. À gauche, coup de poing, coude, fac, fac. Déplacement, il faut revenir, poids du corps, jambe gauche, arrière, kick en bas, kick en haut, déplace et balaye. À droite, on repousse ici, pardon, coude, fac, fac, repousse, bah, j'ai oublié le coup de poing, ce soir ça va pas. Jambe droite, ici, kick en bas, kick en haut, déplace et balaye. À gauche, coude, fac, fac, recule un coup de poing, poids du corps, jambe gauche, déplace, kick en bas, kick en haut, déplace et balaye. Deuxième après ici, jambe droite devant, déplacement linéaire. Donc n'oubliez pas, c'est comme en karaté pour la hanche. Et juste là, c'est venir gripper. Okay. L'important, c'est venir ramener le bong. C'est pas comme ça, okay. Le bong ici, vous tirez vers vous, crochetez. Ok, en même temps pour crochette, même bras, même jambe, pose et enchaîne ces coups de poing. Repousse, protège, balaye, pas trop de place, balaye et change de jambe. Okay. Donc on monte et coup de poing. Repousse, balaye et change. Monte, coup de poing. Repousse, balaye et change. Monte et coup de poing tombe. Pousse, balaye et change. Monte, coup de poing. Repousse. Balaye et échange. Monte, coup de poing, pousse, balaye et échange. Monte, coup de poing, repousse, balaye, échange et monte, coup de poing, repousse, balaye, échange et monte, coup de poing, repousse, balaye et échange. Okay. Un déplacement standard ici. Celui-ci est prêt. Là, vous travaillez en position iras. Faire la balance ici, c'est comme si on vous poussait, faire la balance, gauche et droite, okay, d'accord, donc
L'idée, c'est rattraper ici avec le bras, tire, choc pour déplacer et attaquer. D'accord? Donc là, c'est choc pour... ah oui, j'avais fait autre chose la dernière fois. Choc, tire, trou de coude. Fuck, je sais plus. Bon, c'est pas grave, okay, je fais le simple. Je le retrouverai, okay, j'en ai fait un autre ici. Déplace et coup de poing. Okay, et l'autre côté, déplace, choc, déplace et coup de poing. Déplace, choc, déplace et coup de poing. Déplace, tire et coup de poing. Déplace, choc et coup de poing. Déplace, choc et coup de poing. Déplace, choc et coup de poing. Déplace, choc, coup de poing. Dernier, déplace, choc et coup de poing. Okay. Le balancier, donc pensez quand vous esquivez, rentre, gain, ceinture abdominale, c'est pas et comme ça, okay, d'accord. Okay. Moi je me moque de certains que je vois sur YouTube. Ils doivent regarder ces fous dragos et essayent de faire pareil. Allez, marionnette. Okay. Donc c'est important, c'est pour ça que comme je dis, quand on n'a pas accès à la source, on ne peut pas tout comprendre. Hein, parce que c'est les vidéos que fait Sifu Dragos. Si on ne passe pas dans ses mains, on ne peut pas comprendre son énergie, c'est pas possible. Okay. Et même en passant dans ses mains, c'est pas en faisant 4 ou 5 séminaires que ça y est, on est tranquille. Hein. Okay, moi ça fait déjà depuis 5 ans que je travaille avec dans son système et il y a beaucoup de boulot. Ok, allez, on esquive, donc esquive et kick là et revient. Change de pied, esquive. Kick et change. Esquive, kick, pause et revient. 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 Encore. Esquive, kick, pause et revient. Okay. Déplacement simple ici. Okay. Ok, après là, je pars du côté de la chambre. Croise et. Ah, on ne me voit pas. J'essaie comme ça. Le but, c'est croiser une fois devant. Une fois derrière, et après, devant et derrière, devant et derrière. Important, imaginez, comme si vous aviez un toit dessus votre tête, vous ne pouvez pas remonter. Donc vous êtes là, on descend. Go, je vous vois, vous ne descendez pas. Descendez, allez, on y va, droite, gauche, gauche, droite, et après, devant et après derrière. On passe là, 1, 2, et 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, une dernière fois, 1, 2, allez plus vite, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, une dernière fois, 1, 2, 1, 2, ok, petite série de déplacements, ok, allez on fait venir une fois Sunim Tao et après quelques étirements de base, okay. Allez on y va. On ramène à gauche, punch ici, lap, tire, vous ça haut, fouk, presse, pack, oui, ah, c'est ma femme qui vous dit les chin chin. Bien, si vous voyez le vert, non, voilà, ah, c'est pour après l'apéro, et on remonte. Nous, ganz haut, lan, bilan, fuck, tire, presse, choc, sweep, gan, taisao, cinquième, tire, pack, sixième, et on balaye. Nous, ah oui, il y a, non, j'avais modifié deux, trois trucs. Bon, c'est pas grave. Okay. Presse, quoi, fuck, so, presse. Ganz auf, twitz auf, et ganz auf, 2, 3. Ok. Bon, durant ce confinement, du coup, j'ai eu le temps de travailler sur, sur mes soins techniques. Je ne vais pas tourner, sinon vous allez vomir. Et c'est Vimeo. Ah, ok. Vimeo, Vimeo. Patrice, j'ai chaud de regarder. Ok, Vimeo, ouais, ouais, j'en ai déjà entendu parler, ce que je veux en fait, c'est une plateforme en fait, où je puisse, tu vois, faire, Coco, montage, un montage, moi, je m'enregistre, je fais mes montages à la maison, et après, voilà, je mets directement sur une plateforme où les gens puissent juste avoir un lien, ils achètent leur formation, voilà.
Donc peut-être Vimeo, effectivement, j'essaierai de regarder ça, ouais. Après, j'ai peut-être créé un autre programme, après, ça serait un package, et après, pourquoi pas proposer une fois par semaine un cours comme ça en ligne, mais un peu plus pro, okay, parce que j'ai acheté du matériel qu'il faut, et puis je les ferai plutôt ouais, dans les meilleures conditions, okay, voilà, un peu plus professionnel, quoi. Et ça serait une fois par semaine, un cours en direct, peut-être le week-end, tu vois, un samedi matin ou dimanche matin, ou deux fois par mois, okay. Juste un accès d'entraînement, un entraînement, comment dire, un entraînement, voilà, comme ça, en fait, en ligne, pour voilà, faire un cours de, un entraînement de plus par semaine, avec des idées de travail, renforcement, comme on a fait là, surtout axé sur le physique, ça serait pas mal énergétique, et avec bien évidemment un forfait vraiment très 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 bas pour les... pour que ce soit accessible à tout le monde, okay, c'est pas le but, ça doit être de faire quelque chose de trop élevé. Voilà, donc ça, voilà, je vous tiendrai au courant, mais voilà, Vimeo, je retiens, je regarderai tout ça. Allez, on se finit quelques étirements, okay, comme ça, voilà, pour un petit peu. Hop, je pose le téléphone. Aïe, 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 aïe. Ok, allez, on finit avec ça, après quelques étirements. Okay. Donc on inspire. Et on expire, on est cherché loin devant, on en fait quelques-uns. Hein, okay. On inspire, on expire. N'oubliez pas de bien respirer. Bon, j'espère que la reprise du travail se passe bien. Bon, de mon côté, ben, toujours arrêté. Bon, je commence quand même à donner. On a commencé avec Stéphane, le prof, okay, à l'académie, lundi matin, donc c'était cool. Okay. On a fait des drills, après, bon, toujours pareil, les formes, tout ça. Bon, pas de sparring. Okay. Mais bon, avec les masques, c'est. Pff, il fait chaud dedans. Donc peut-être les visières, ce sera plus agréable. Okay. Okay. Et après, voilà, j'espère pouvoir au mois de juin repartir. Peut-être pas encore pouvoir faire de sparring, mais au moins qu'on puisse au moins travailler ben, la technique. Quoi, hein. Si on ne peut pas faire encore le sparring, c'est pas grave. Mais on espère aller chercher une jambe. Au moins faire des travail technique à deux. Et voilà, ça serait bien quand même. Allez, on tire. Ok. T'as bossé lundi. Coco, ouais. Allez. Ah, je vois que progressivement tout le monde reprend, c'est cool. Il faut que l'activité reparte. Hein, que, voilà, il faut que tout le monde puisse retrouver son activité professionnelle. Que, c'est important. Hein. L'académie, voilà, je pense que. Je commence à continuer ces directs comme ça le soir, comme ça, ça permet peut-être. Allez, comme ça, on fait la. Là, ici, ça permet à plus de monde de pouvoir les suivre. Okay, voilà. Bien que là, il y a beaucoup de l'académie qui ne se sont pas connectés. Bon, c'est leur choix. C'est chouette quand on peut partager tous en même temps, que comme ça, ça permet de commenter, d'être interactif. Donc, je le fais pour ça. Donc, je vais continuer quand même. Hein. La semaine prochaine, il y aura la même heure, mercredi prochain, 18h15. Okay. Et on relâche. Ok, allez, on bascule sur le dos. On tient une jambe. Si c'est la jambe gauche, vous tenez avec la main droite. Vous tenez votre orteil et la jambe bien tendue. Et on relâche. On change de côté. Ok, on relâche. Ça, Guillaume. Et oui, c'est pour ça que j'ai commencé, Guillaume, le soir. Maintenant, je reprends les lives le soir parce que je sais que beaucoup reprennent le travail. Donc là, c'est l'heure de l'académie, en plus 18h15. Voilà, c'est l'heure du cours habituel, donc je fais exprès. Voilà, voilà Cyril, voilà, c'est l'heure du cours à l'académie. Tant que je ne peux pas reprendre, disons, à l'académie en toute sécurité, on ne va pas dire sanitaire. Hein. C'est plus en termes de sécurité de délation, on va dire, que je préfère éviter. Je n'ai pas envie de payer une amende. Allez, on finit les derniers étirements.
Allez, on bascule sur le côté. Côté. Ok, et on lâche. Allez. Ok, allez, on étire juste à côté vertébrale. Voilà, j'en expire. Dernier. Voilà, on en est juste là un petit peu. Inspire, expire. Ok, voilà les amis. Voilà, bon, mais j'espère que ce petit cours vous a plu. Ok, on va s'arrêter là pour ce soir. Une bonne petite heure. Voilà. Bon, il y a plein de circuits en ce moment. Bah, du coup, pendant le confinement, j'ai fait pas mal d'exercices, que ce soit énergétique, musculation. Bon, après beaucoup de VT, bien évidemment. Donc, pas mal d'exercices quand on pourra reprendre les cours après, qui sont intéressants. Voilà, travailler. Voilà. Bon, après, je partage un petit peu déjà en live. Voilà, donc, j'essaye de bien travailler pour vous fournir pas mal de matos. Ok, pour la reprise. Allez, bon, ben, je vous souhaite à toutes et tous une très très belle soirée. Bon, ben, moi, vous l'avez compris, ils m'attendent pour l'apéro. Voilà, voilà, j'espère que vous avez passé vous aussi une belle soirée. Bon courage pour ceux qui travaillent demain. Voilà, j'espère qu'on se voit très 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 vite. Hein. Voilà, je vous tiens au courant si je fais un nouveau live, si je vais essayer peut-être une deuxième fois dans la semaine. Mais comme vous savez, là je déménage en ce moment, bon je me rapproche de Montauban, donc on est pas mal. Voilà. Bon, ben, je vous dis à très très bientôt les amis, prenez soin de vous et belle soirée à tous. Ciao ciao.